Le vieux comportement de notre vie, chaque jour qu'on fait dans notre vie, c'est pas agréable à Dieu, toutes les choses qu'on fait dans notre vie chaque jour comme ça. Donc c'est si auprès de vous simplement, vous parlez de la parole de Dieu, comme je vous disais, il y en a beaucoup de souffrances sur cette terre-là, à l'hôpital, tout ça. Vous pouvez aller d'une petite visite, même comme il y a les enfants qui souffrent, tout ça. Il y en a certains qui, depuis qu'il est né, la bonne santé. Et il gâche sa vie. Il y en a certains qui sont à cause de moto, tous ces conneries, parce qu'ils vont faire pression à ses copains, tous ces conneries. Ils gâchent la vie. Il y en a certains, ils sont, je vois, ils sont paralysés à vie. Aujourd'hui, ils regrettent beaucoup. Donc, mes frères, les jeunes aujourd'hui, faites attention à votre vie. Il ne faut pas gâcher votre vie. Il ne faut pas gâcher votre vie pour la pression à quelqu'un. Il est auprès de vous aujourd'hui. Les jours où vous avez des problèmes, tous ces conneries, il va tourner et tourner. Il ne vous reconnaît plus. Oui, les meilleurs copains. Oui, c'est vrai. On a besoin de tout le monde des copains dans la vie. Est-ce que c'est lui ton vrai copain? Les jours, ton problème. Est-ce qu'il est auprès de toi? C'est à ça aussi qu'il faut savoir, mes frères. Parce que je vois les accidents qui arrivent, 80%, ils sont pas. On est obligé de couper les pieds parce qu'il ne peut plus rien faire. À cause de l'alcool, pour aller en boîte de nuit, pour impressionner à cause des drogues, pour impressionner les 100%, à cause, je ne sais pas moi, la cocaïne. À cause des joueurs qui passent dans la cité. Même dans la cité, il y a des trafiquants, des drogues, tout ça, mes frères. Comme je vous dis, j'ai des enfants aussi, j'ai des 15 à 13 ans. Donc, je conseille à mes enfants. Les meilleures solutions qu'il faut faire dans la vie. Tu vas à l'église, tu joues, fais tout ce que tu veux. Prends les guitares, tu suives le chemin de Jésus. Il faut parler la parole de Jésus à ton prochain. Comme ça, ils comprennent qui est le Seigneur. Parce que la vie est si précieuse dans notre vie maintenant. C'est tellement précieux la vie. Regarde, il y en a certains qui sont depuis que la naissance, elle a une maladie grave. Il y en a certains que Dieu la donne en belle vie, en bonne santé, et ils gâchent la vie pour les colorer, pour impressionner les copains. Donc, je parle de Jésus, parce que j'aime Jésus, et je vous conseille. L'alcool, tout ça, c'est pas bon. Parce que vous êtes au volant, vous boire l'alcool, tout ça. Faites attention à toutes ces choses-là, mes frères. Vous visionnez mes vidéos. Peut-être un jour, vous me trouvez dans votre chemin, votre passage, tout ça. Dans le tramway, dans le métro, dans les pistes. Peut-être un jour. Peut-être jamais vous me reconnaissez mes visages. Vous me trouvez. Il y en a pas mal déjà qui m'ont téléphoné. Si jamais vous me téléphonez, vous me disiez. Mon numéro de téléphone, c'est le 01-74-61-07-18. Mon numéro personnel, c'est le 06-75-04-35-36. Si jamais vous en avez besoin de visionner mes vidéos, vous trouvez la bonne adresse, parce que vous tapez Pasteur Goudron, vous trouvez tout ce que vous voudrez sur Google ou sur Yahoo. Là. Vous pouvez trouver tout. Et sur des millions, vous pouvez trouver mes vidéos, parce que j'ai affiché dessus, mais c'est en dessous des vidéos, mon adresse, 80%. Donc, ces amis, on a besoin de mes conseils, juste un petit coup de fil. Tout ça, c'est pas. Je suis là, ma pauvre. Je suis là pour ça, pour conseiller les gens. Je suis pas là pour que vous allez demander, oui, il faut faire payer. Non. C'est pas faire payer parce que ça sert à rien. C'est pas trop mon genre, ça. Donc, mes frères, préservez votre vie parce que j'ai reçu tellement pas mal de coups de fil. Et il y en a certains qui souffrent aujourd'hui. Ils souffrent, ils sont malheureux. Ne se plie parce que c'est trop tard. Hein. Pour aller impressionner le copain, on boit des nuits, toutes ces conneries. Aujourd'hui, ils sont en accident, ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus faire du sport, ils ne peuvent plus rien faire. Donc mes frères, c'est que vous avez encore en bonne santé. Évitez de boire l'alcool. Tout ça, c'est mauvais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Soyez bénis dans le nom de Jésus, mes frères. Et il ne faut pas douter la parole de Dieu, c'est très important, mes frères. Soyez bénis. Amen.